Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez Venez nous rejoindre sur Youtube, c'est incontournable, c'est ici qu'on se retrouve, cette belle grande famille qui utilise cette langue extraordinairement riche et généreuse, cette langue de Molière, pour communiquer, penser, aimer et tout ce que vous voulez imaginer. C'est ici que ça se passe. On veut savoir exactement ce qui arrive. Qu'est-ce que sont les changements climatiques, les conséquences, les grands changements politiques, sociaux, économiques aussi, et tout le reste, tout ça, sans cachotterie, sans endoctrinement, et il y en a tellement eux. L'endoctrinement, je pense que c'est presque dans les gènes de, des médias et des politiciens francophones. Malheureusement. Chers amis, 28 mai 2019, 18h09, heure du Québec. Avant de vous parler d'un autre astéroïde qui devrait encore une fois frôler la Terre, hein? et il y a beaucoup de choses que je veux vous dire à propos de ça, je vous donne euh, le, pour les cousins français, hein, puis les amis européens, puis les compatriotes québécois qui l'auraient manqué, la page 36 du Journal Le Montréal de dimanche 29, euh, 26 mai, où on nous dit des familles déchirées. Réduction de personnel à l'ambassade du Canada à Cuba. Avec l'arrêt des services d'immigration canadiens à Havane, des centaines de personnes vivent dans la crainte de ne pas être réunies avec leur famille. Hier, elles se sont fait entendre dans les rues. J'imagine que c'est dans les rues de Montréal parce que dans les rues de Cuba, tu ne peux pas te faire entendre. Tu vas te faire emprisonner si tu sors dans les rues pour manifester contre le gouvernement. OK? Et c'est là-dessus que je veux vous ouvrir une petite parenthèse. Donc, des femmes désespèrent de faire immigrer leur mari. L'affaire fermeture part par Ottawa de son bureau d'immigration à Kiba complique leur tâche. Mélissa étiez avec sa fille de 5 mois, chez elle à Mirabel. Son époux ne coûterait rien aux contribuables, histoire de voir son papa... Et enfin, c'est plein de Québécoises qui se sont trouvées mariées à Cuba. Moi, je n'ai rien contre ça. Ils ne sont pas capables de se trouver un, un homme de la place. C'est bien correct. Je regarde, ce n'est pas des femmes euh, laides, mais elles se sont trouvées des Cubains. Je n'ai rien contre ça. Les Cubains, eux, voient leur porte de sortie là-dedans aussi, en espérant que ça ne finisse pas en queue de poisson, comme. Euh, Relation. Moi, je suis allé 4-5 fois à Cuba, je peux vous dire que c'est des chauds de lapins. Et que je pense que 10 Cubains sur 10 voudraient quitter l'île de Cuba. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est invivable, c'est un pays de misère, c'est un régime totalitaire. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut te faire rester à Cuba, je peux te dire une chose. Même en tant que touristes, dans des hôtels supposément luxueux, tu te demandes comment tu vas passer la semaine. Donc, imagine un pauvre cubain ou une pauvre cubaine qui est pris dans un régime comme celui-là. Donc, c'est vraiment triste. Et moi, j'aimerais que nos petits gauchistes puants aient l'honnêteté. Parce que eux autres, ils sont pour les frontières ouvertes, puis moi, j'ai rien contre ça. Je suis tout à fait ouvert à avoir des frontières ouvertes parce que tout le monde a le droit d'améliorer sa vie. Tout, tout, tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir nourrir sa famille convenablement et donner euh, une prospérité à ses enfants. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il faudra avoir la décence intellectuelle, l'honnêteté morale de nous dire, écoutez, chers concitoyens, concitoyennes, il y a des pays de merde pas les gens, mais des pays de merde qui sont dirigés par des gouvernements tyranniques, socialistes et communistes. Et c'est vraiment injuste de laisser les populations sous l'emprise de ces tyrans-là. On devrait leur ouvrir notre, nos portes pour accueillir ces gens et leur donner un avenir et une possibilité de prospérité. Mais c'est pas ça qu'on entend. On entend cette petite gauche-là nous traiter de tous les noms parce qu'on veut contrôler une forme d'immigration parce qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon pour nous demander d'accueillir tout ce monde-là. Puis après ça, on nous fait la, les, la louange et les, les salamalecs de ces régimes tyranniques, cette même gauche qui nous fait la promotion du socialisme et du communisme. Voyez-vous dans quel bateau on est? Si on arrivait avec honnêteté en disant, savez-vous, on s'est trompé, on est des petits gauchistes, mais... On veut sortir de la petite go gauche, puis de la pensée, puis de l'idéologie gauchiste, parce que, regardez ce qui est arrivé. Il y a plein de populations qui sont prises en otage, tyrannisées, et qui ont perdu leur vie, puis d'autres générations qui sont en train de sacrifier leur avenir aussi, à cause de notre idéologie stupide, gauchiste. On s'excuse, on a fait une erreur, on promet qu'on ne le fera plus jamais. Louanger le socialisme et le communisme. Ceci étant dit, on va aller voir cette nouvelle qui nous provient d'un abonné que je remercie, qui m'a envoyé un lien, qui nous dit que la, le tracker d'astéroïdes de la NASA nous dit qu'un astéroïde de 228 mètres de diamètre se dirige vers la Terre à 30 à 30 000 km par heure. Un astéroïde presque deux fois plus grand que la Grande Pyramide de Gizeh se précipite dans la direction de la Terre à plus de 3250 km/h. On révélé les traqueurs d'astéroïdes de la NASA. L'astéroïde, suivi par la NASA, baptisé 2011 HP, on ne parle pas de la sauce à steak ici, HP se dirige vers notre planète sur une trajectoire dite d'approche rapprochée avec la Terre. La NASA pré prévoit que l'imposante roche spatiale dépassera la Terre dans la matinée du jeudi 30 mai. Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le fameux JPL, l'astéroïde s'approchera de la planète vers 11h48. Lorsque cela se produira, la NASA a déclaré que l'astéroïde brisera des vitesses d'environ 8,43 km/secondes. Wow! Alors, l'agence la, la, de la NASA estime que la roche spatiale mesure entre 100 et 230 mètres. À l'extrémité supérieure de cette échelle, l'astéroïde est aussi haut que le Golden Gate Bridge à San Francisco aux États-Unis et que le Space Needle à Seattle. Cependant, même à l'extrémité inférieure de l'estimation, la roche spatiale est encore presque aussi haute que le Big Ben à Londres, au Royaume-Uni. La roche de l'espace orbite à l'intérieur du système solaire sur une trajectoire similaire à celle de l'astéroïde 1862 Apollo. La trajectoire de l'astéroïde le conduit au-delà de l'orbite de Mars. Mais ils ne volent pas au-delà de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et la géante gazeuse. Jupiter, tous les, les objets géocroiseurs sont des comètes et des astéroïdes qui orbitent autour du Soleil à des distances inférieures à 1,3 unités astronomiques ou à 194 millions de kilomètres. Une unité astronomique mesure environ 149 millions de kilomètres, 93 millions de mille. La distance entre la Terre et le Soleil. La semaine prochaine, l'astéroïde d'HP réduira considérablement cette distance à environ 0,03149 unités astronomiques. Cela signifie que l'astéoride frôlera la Terre à une distance de seulement 4,7 millions de kilomètres. En d'autres thèmes, la roche spatiale s'approchera de notre monde d'origine à 12,28-26 fois la distance Terre-Lune. Et on le sait quand elle se retrouve à l'intérieur de... De ces euh, distances-là, on considère que ça peut être, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le fond. <laughs> Et ça, on va voir notre fameux traqueur hein, d'astéroïdes potentiellement, potentiellement dangereux approchant la Terre. Donc, un géocroiseur potentiellement dangereux est un astéroïde ou une comète avec une taille suffisamment importante, au moins 100 mètres et une trajectoire passant suffisamment près de la Terre, moins de 8 millions de kilomètres, pour représenter une menace de collision aux conséquences significatives sur le vivant et nos sociétés. Et la fameuse 2011 HP correspond exactement à ces, carré, à ces critères. Donc, c'est une autre, comme celle de la semaine dernière, 1999, qui peut causer quelques casse-têtes, quelques casse-têtes, et qui pourrait s'approcher, on ne sait jamais, et qui pourrait, on ne sait pas. Quand c'est dans ces eaux-là, on dit que c'est quand même potentiellement dangereux. Ça nous amène à <coughs> l'événement qu'on a eu avec euh, le fameux, euh, la fameuse euh, comète un oeuf un euh, 199, ou 1999, laissez moi voir si je peux retrouver euh, ma mm, mm, ma nouvelle qui m'avait été partagée Donc, euh, météorite qui passe ou gravite devant la Lune. Donc, c'est pas celle-là non plus. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer, mais je ne trouve plus le lien. Enfin, ça nous disait qu'on parlait de cette ces fameux. Euh, ce fameux train hein, de lumière qu'on a vu dans le ciel. Euh, un peu partout la semaine dernière dans le coin de 7. Dans le coin de 7. Et ah, peut-être on a eu hein, ce grand boom. En tout cas, c'est. J'essaie de trouver le, le lien. Je ne le vois pas. Enfin, tout ça pour dire que... On pense peut-être que... Cette fameuse... Euh, cette fameuse... Euh, traînée qu'on a vue hein, la semaine dernière de lumière un peu partout pourrait être liée à l'explosion, la désintégration de cette fameuse comète qui serait entrée. Tout est possible. Mais pour l'instant, ça ne semblait pas être ça les, euh, les conclusions. Mais enfin, tout est possible. On nous parlait plus d'un lancement de multiples satellites de la part de SpaceX, tout est relatif hein, mais tout est possible aussi. Mais enfin, pour ce qui est de cette nouvelle comète qui s'approche, ça demeure encore une fois euh, un peu dangereux parce que on nous dit que effectivement, tout ce qui est à l'intérieur de 8 millions de kilomètres, c'est considéré à moins de 20 fois la distance de la Terre, considéré comme dangereux, et c'est la distance euh, exacte de ce, de cet astéroïde là et de 12.3. Donc on verra bien. Pour jeudi, apparemment, selon l'information, on s'attend au passage jeudi, donc dans deux jours. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences de ça Est-ce qu'on verra encore des phénomènes lumineux dans le ciel On verra bien. Et ça pourra nous donner une réponse sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, je vous reviens.